Yes! Yes! Regarde, regarde, regarde! Il coupe la tête! Oh la vache! Alors nous sommes de retour là. Normalement j'ai édité le combat et tout ça contre le mec. Bonne déception. Très bonne déception. Bref, on va passer à autre chose. Pourquoi je suis là? Parce qu'en fait je voulais voir s'il me manquait des choses en fait à acheter avec ce marchand, et il me restait 3 pots fissurés à acheter, donc maintenant on en a 8 en tout. Donc voilà, déjà il y a ça. Et sur le coup, j'ai vu, il y a ça aussi qui est apparu. Les hurlements des bois brumeux. Donc je sais pas trop ce que c'est. Et après aussi, on a discuté. Donc on va voir ça. The howl of a wolf. In the mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl. Make this signal right under the source. Oh, don't fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Claquement de doigts. Goodbye. Intéressant. Donc, je crois que il parle du fait qu'on a eu des loups qui sont apparus de nulle part, je crois. C'est où, claquement de doigts? Pas mal. What is it? Perhaps you don't need to hear this, but see that no harm comes to my kin. We have a saying, we wanderers. Lament not your solitude. Expect no sympathy, no regard, nothing. But if anyone dares harm us, show them no mercy. That is our code, so to speak. Just the way we are, deeply unforgiving. J'imagine que si jamais on en attaque un ou on tue ou ça se passe mal, peut-être qu'on n'a vraiment plus accès à aucun des magasins en fait. Et aussi je l'ai marqué. Donc ouais, donc en fait. Il faudrait retourner à l'endroit où ça a sifflé, mais c'était plus haut, je crois, non? Dans le bois brumeux, c'était pas là. Ça m'étonnerait que ça soit là. Ou là. Je me rappelle plus, moi, exactement où c'était. Enfin, en tout cas, maintenant, on a le... Au moins, on a la... Je crois savoir où est-ce qu'on a ça a sifflé. Il faut monter là à gauche avec les loups qui sont tombés du ciel. Mais bon, enfin si c'est pas là, après nous on retournera où est-ce qu'on était, c'est-à-dire les trois machins là, trois clochers là. Après oui, je dis qu'on n'a rien eu, mais c'est faux, hein, parce qu'au final, on a eu sur le cadavre, on a eu ça quand même. Donc bon, c'est pas si mal. Ça augmente les résistances et tout ça, 200 plus. Je crois que c'était là, non? D'accord. C'est là d'où il parle. Non? Je sais pas. C'est pas de ça? Peut-être pas ça en fait. Je sais pas, c'est pas grave. C'est un truc sûrement que j'ai dû oublier. C'est pas grave, on s'en fout. Allez, on repart dans notre petite aventure ici. Je sais pas pourquoi on se retrouve là, mais bon. Hein. On continue quand même.
C'est une aventure. Il y a trop de trucs à faire, en fait, tout le temps, partout. Donc, on continue. Oh, au bout de 100 heures, on va finir le jeu. Hein. Ah oui, aussi, j'ai utilisé des crevettes, si vous avez vu. J'ai utilisé de... les crevettes bouillies, là. C'est vrai que ça a quand même pas mal aidé, la résistance aux dégâts. Donc, c'est une bonne chose. Contre le monstre, là, qui nous a rien donné. Ah oui, là c'est là. Là c'est quoi? C'est le chemin. Non, là il n'y a rien en fait. Je pense qu'on a fait le tour hein, de cet endroit. Après, il y a encore des trucs à voir en bas, mais. Ouais. On n'a qu'à redescendre, hein, j'ai envie de dire. Puis on se rebalade encore. Mais bon, après, c'était bien. Hein. Là, on a quand même eu des bonnes choses, hein, des bons objets et tout ça. Donc ça valait vraiment le coup, en fait. Je suis assez content, en fait, de notre excursion. C'est les vampires. Ok, continue dans les marais. Ah oui, je voudrais bien tuer des machins là, voir ce que ça nous donne un peu. J'espère que les autres vont pas se réveiller. Oh la vie que ça, quoi. Wow! Ah la pute, c'est elle qui a fait un saut en arrière en fait. C'est pas moi qui l'ai repoussé. Ok, on peut bloquer, on est à 100%. C'est que du physique en fait. Donc ça va. Bon, par contre, je voudrais bien qu'elle approche en fait. Ah, elle a planté son truc. Alors, fais voir. Tranche de viande blanche. On est bon. Bien. Ça va, donc maintenant on peut les tuer plus ou moins facilement aussi. Ah putain. Parfait, on a récupéré la potion. On avance. Ah, vous faites plus les malins tous. Hein.
Ça se passe beaucoup mieux ici quand même. On va aller voir ça maintenant. Ah, je crois qu'on y était allé, mais je sais plus ce qui s'est passé en fait. Ah, là-bas, il y a des tombes. Ah, je crois qu'on l'a déjà fait ici. Non, on se casse. Attends, il y a un objet. Je sais plus trop ce qu'il y avait. Ah non, on n'y est pas allé. On a dû faire demi-tour, je crois, parce que c'était un peu trop pour nous. C'était un peu trop dangereux. Ouais, ouais, ouais. Surtout avec les mannequins là tout autour. Oula, c'est quoi toutes ces fleurs bleues là? Ah! Cherche trois bêtes érudites. Vous devez résoudre l'énigme pour y rentrer. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y en a trop et ils donnent quasiment rien. Quasiment rien en rune. Bien joué. Il y en a partout. Oh! Attends, merde. Merde. Trois bêtes érudites. Oh putain, il y en a partout de ces vaches. Je me demande ils sont que sur l'île en fait. Ça doit être deux. Tortue qui est accrochée à un arbre quand même, faut le faire. Hein. En train de me demander si on peut pas monter ça là. Oh la vache. Non, non, non. Ça fait tellement bizarre que ça fait plus de bruit. Après, est-ce qu'ils sont... Enfin, ça m'étonnerait qu'ils soient en dehors de l'île, en fait. Putain, on en a deux. Ça me rend triste, ça, de pas trouver la troisième.
Genre peut-être un peu plus bas. Genre là, techniquement, on est toujours sur l'île. Ah, ça c'est con quand même. Bon après on va pas rester 3 heures non plus à chercher. On élucidera le puzzle une autre fois. Je fais encore un tour et j'arrête. En plus, c'est des tortues, elles font pas de bruit. Genre, nous on est monté sur lequel? Celui-là? C'est de la galère. Ouais, non, bon, on se casse. Allez, ça m'énerve. J'ai pas vraiment que ça à foutre. Des choses comme ça, je pourrais peut-être, genre, couper la vidéo et tout ça. Mais honnêtement, ça, même moi, j'ai pas envie de le faire. Même moi, j'ai pas envie de chercher plus que ça. On le fera une prochaine fois, c'est pas grave. Scarabée, très bien que j'arrive à le target. Ah, très bien. Coup de bouclier, ça c'est bien ça. Ah, on a une tortue ici. Je savais pas qu'on avait une tortue ici, t'as-tu ? Oh, il y a plein de monde. Ah, il y a vraiment plein de monde. Oh la vache. Ah, par contre... lui, il n'y a rien. Ah, ils doivent être chacun différents, j'imagine. Ah là, on dirait qu'il y a une grotte. Non. Peut-être qu'ils sont chacun différents. Genre, c'est jamais le même puzzle pour les pour rentrer dedans. Allez. Ah, on peut passer même sans avoir à passer le portail en fait ici. C'est marrant ça. Bon, là on a quoi? On a des trucs. On a des ruines.
Hop, hop. Chaussée martiale. C'est quoi ça? Ouh, t'as l'air stylé toi. En garde. Merde. Mais je fais de la merde, qu'est-ce que je fais moi? Désolé, je fais de la merde. N'importe quoi. Wow, oh les dégâts. Tu vas me tuer. Oh mon dieu. Ah ouais, tu fais mal avec ça. Elle va peut-être me donner son arme. Mon dieu, le cheval qui me bump à mort et tout quoi. Ah la vache, c'est relou ce coup. Mon dieu, non! Eh ben, c'était moche, hein, ce que j'ai fait. C'est bon, les... Tu veux me donner ton arme, s'il te plaît? Trac géant. Vouge de cavalier crépusculaire. C'est ça. Alors, grâce à ses pesantes attaques de taille qui percutent violemment les adversaires, il s'avère redoutable à dos de monture. Voilà, là, moi aussi. Lourde qu'une massue, arme les cavaliers crépusculaires qui chevauchent les funèbres montures. Quoi, 26 de force, ah c'est chaud. Ah c'est pas pareil. Ouais, elle commence par un coup comme ça, c'est marrant ça. Pas mal. Non, on peut faire un deuxième coup du coup. Pas fan honnêtement du moveset, ça a jamais été mon kiff mais c'est pas mal. Le père géant, ça parle de quoi? Alors, compétence conçue pour affronter des adversaires gigantesques. Vous adoptez une posture basse et avancée, puis profitez de l'élan pour effectuer une rapide frappe verticale. Par les armes capables d'estoc, sauf les armes de petite taille et les épées de taille moyenne. Donc, ah, ça aussi c'est intéressant parce que... Du coup, imaginons qu'on a une hallebarde et tout ça, il n'y a pas trop d'attaques d'estoc. Enfin, ça dépend de l'enchaînement en fait, de l'attaque, du combo que vous faites. C'est entre contendant et coup d'estoc en fait. Et là, du coup, on aurait une attaque qui est tout le temps une attaque d'estoc. Donc c'est pas mal. C'est pas mal parce que vous mettez les contre-attaques des armes d'estoc. Ou les contre-attaques, tout ça, même les deux en même temps, en fait, vous pouvez peut-être faire des très très gros dégâts grâce à ça. Ça peut être intéressant. J'ai vu qu'il y avait un chevalier là qui s'est baladé.
Aïe 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 aïe. J'ai pas assez de... C'est parti. On y va. D'accord, très bien. Oh la vache. Prends l'aggro, prends l'aggro, prends l'aggro. Finis-le. Merci. Ouh, pavois du coucou. Ouh, 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 ouh. Est-ce qu'on peut pas farmer tout ça pour avoir une... Oh, c'est une, un truc lourd en plus, c'est classe. Homme porté par un chevalier de l'académie de Raya Lucaria. Son front est orné d'une unique plume de coucou. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, j'ai envie de dire, mais bon. Maintenant, on est en lourd. On peut être comme ça. Après, du coup, je pourrais remettre ça. Ouais, non, celui-là. Ouais, juste un peu pour le... Enfin, ça passe à travers l'épée, c'est chiant, ça. Ouais, j'aime pas quand ça fait ça. Désolé, mais moi, c'est d'abord le style. Hein. Ouais, il faut que ça soit d'abord joli. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? J'ai pas fait gaffe. Ah oui, bouclier, bouclier. Bouclier. Alors, doté d'une 600 de résistance de dégâts magiques, ce bouclier est employé dans les tracts des mages. Notre adversaire n'est qu'autre que Caria elle-même. Je vais voir la raison. Et 70% de dégâts magiques. De résistance dégâts magiques. Pas mal. Hein. Très très élevé ça. Oh, le truc quoi. Oh, la dos de cheval, c'est horrible quoi. La dos de cheval, c'est horrible. Ouais, mais ça peut être intéressant si on a des, si on combat des gros mages et tout ça, genre en boss. On peut mettre ça. Ça bloquera tous les dégâts magiques, enfin 70%. Et après, on peut lui mettre une habilité et lui mettre une augmentation magique. Du coup, ça augmentera encore plus sa défense. J'imagine qu'on va encore gagner 15 à 20% peut-être. Ça m'étonnerait qu'on soit à 100% de résistance magique. Après, c'est possible, mais il faudrait peut-être l'augmenter en plus 5, un truc comme ça. Mais bon, après, ça m'étonnerait qu'on ait besoin d'un truc comme ça. Hein. Les magies, bon, ce qui est bien, c'est que la plupart du temps, on peut les esquiver. Oh, il y a un camp ici. Glisse martiale. L'arme de vie, parfait. Alors...
Honnêtement, elles nous remettent. On est à plus 6, elles nous remettent full vie, full MP. On a pas assez. La barre est pas assez grande pour que ça remette pas en fait plein. C'est assez marrant. Oh, marchand. Alors, marchand. What do you need? I don't want any trouble. Ça reste cool, mais on est juste. Ah, yes. On a aussi ça, un écu à motif bleu. On est d'un chevron représentant une forêt, une rivière. Pas mal. Oh, arc composite. Ah, arc composite, ils vont moins loin, je crois. Difficile à manier, une tribu élevée, mais ce rêve déjà ça pour que si c'est. Composite, c'est ceux qui vont moins loin ou ceux qui vont plus loin? 65 de dégâts, fais voir. 65 de dégâts. Ouais, nous on a 80 avec le. Ah, il y a la portée, j'avais même pas vu. Maintenant ils vous mettent la portée. Je crois pas que dans les anciens ils mettaient ça. Ah, la 29. Ouais, non, c'est pas top. C'est bête. Bouclier de la faille. Ça, c'est un petit bouclier. Capable de toiser les ennemis en retour. Il améliore également la focalisation. Intéressant. Ah, on a ça aussi. Alors, on fait voir un peu. Pas mal là ce qu'on a. Alors, on a pris le bouclier. Bon, bouclier de toute façon ça sert à rien parce que celui-là c'est le meilleur. Il a 56 de garde. Donc sert pas à grand chose pour le moment. L'autre. Après on a eu quoi? On a eu les arcs et j'ai eu quoi? Ah oui, pour la fabrication d'objets je crois. C'est quoi ça? La graisse glaciale. Ah. Oh. Carreau de baliste en os. Hein. On peut faire ça aussi maintenant. Cool. Sympa. Sympa. Oh, j'ai pris le dernier arc ou pas? Oui, j'ai les trois. Après, c'est quoi ça? Ouais, viande séchée de différents. Ouais, on n'a pas vraiment besoin. Enfin, pour l'instant, pas vraiment besoin. Ah, on a combien d'arcs en tout? On a 10. Ça vaut le coup de l'utiliser ou pas? Ah, mais c'est des mineurs. Oh la vache. Waouh, c'est pas qu'une seule bombe qui balance le machin. Mais où exactement? Ouais, on est à la fin. On peut descendre. Ah, j'utiliserais bien un objet pour augmenter les drops, mais on va pas vraiment le farmer, en tout cas pas encore. Mais l'équipement entier serait pas mal.
Machin de poison. Oh! L'Urnia, contrée lacustre. Yes! Ouh, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Ok. On peut peut-être visiter. Ouh, pierre de force 5. Ouais, je pense que là, on est un peu au niveau quand même. Alors... On va faire un tour là devant et après on essaye de, d'activer... des ascenseurs ou je sais pas quoi. Mais... Oh 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 oh. Très barbare. Parfait. Cri barbare, normalement, ça augmente notre attaque, je crois. On a cri de guerre et cri barbare. Là, c'est... Convertir les attaques puissantes en charge vers l'avant. C'est sympa. Attends, vous pouvez faire un cri de guerre pour augmenter votre puissance d'attaque. Tant que l'effet est actif, convertis vos attaques puissantes en charge vers l'avant. Ça, faudra tester. Et après, vous poussez un cri bestial, vous redonnez du courage, augmentez votre puissance d'attaque. Convertis également vos attaques puissantes en enchaînement de frappes brutales. D'accord, c'est différent en fait. Ça donne des attaques aussi. Intéressant. Il nous faudrait 3 graines, on a 3 graines. Elles sont censées être où les graines? Dans l'inventaire. Ah là. Ouais, pas à peine de rester. Attendez, merde. Saloperie. Hein. Saloperie dégueulasse. Ouh, c'est quoi une grotte? Ouais, une mine quoi, une carrière. Ouh, ça a l'air bien bien grand. Bienvenue. De Forge 4. Ouais, ouais, non, c'est... Je crois que là ça va être trop niveau, là. Honnêtement, je serais pas contre hein, utiliser un arc runique, mais... Ça va me faire chier si on crève. Hein. Ça va vraiment me faire chier si on crève. Honnêtement, je pense pas qu'on en ait besoin, de l'arc runique. Pardon. Je crois qu'il faut qu'on fasse de la coop. Je crois bien que j'ai eu un arc runique en récompense quand j'ai fait de la coop avec Shayna, donc faudrait que j'en fasse. Un objet là. Ah ah. Je te vois. C'est les petits trucs là qui vont vite en plus. Oh oh oh! C'est quoi ça? C'est des pièges?
Merde, putain, quel con. Ah, ok, attends, je viens de voir en fait. Voilà. Je crois que ça passe à travers ma défense. C'est ça là, les pièges. Pierre de Forge 4. Ça c'est pas mal pour... ça c'est des bons endroits. Ça peut être des bons endroits à noter si jamais vous essayez de faire des runs rapides et tout ça. Vous allez là, vous récupérez les 2-3 pierres qu'il y a. Ouais, ça passe à travers ma défense de bouclier. C'est une faux... Chotel. Ça passe à travers, je me prends quand même une partie des dégâts à chaque fois. Bien, bien relou. Alors... Une arme de milicien vulgaire qui va trouver une faille dans la garde d'un ennemi. Scarab. Il doit être à gauche. Oh là là, le deuxième coup, c'était pas assez rapide. On va les faire venir. Ah, le lance-flamme. Pierre explosive. Merde. Merde, trois fois. Oh là là, j'arrête pas de me gourer. Pierre explosive. Enfin, je fais trop de touches en fait. Une fois lancé, explose et inflige des dégâts de feu. Ça marche. Tu peux avancer, c'est permis. C'est permis. Une rune dorée. Ah, il doit être dans l'autre salle. Cristal brisé. Oh. Putain, faut vraiment bien regarder ça par contre. Parce que les pierres de Forge 4, ça court pas les rues. Deux mecs après. Et il y a lui là. Oh, arc runique, yes! Il y en a d'autres, je crois.
Après, on n'a pas l'air de voir vraiment les tuer. Enfin, pas tous. Il y en a qui sont... Ah, c'est des mineurs, quoi. Hein. Ils sont en train de prendre la pause. Hein. Je pensais que ça allait être un peu plus stylé, mais en fait, non. Ouf, sombre 4. Je sais plus lesquels il nous faut, nous, pour notre arme. Elle est niveau 5, donc il faut les niveaux 4 ou les plus. C'est sympa cet endroit. En tout cas pour les pierres. Parfait. Ruine des falaises. C'est pas ça? C'est pas là où il faut passer en fait? Ça a l'air joli ici. Coton doux. C'est pour nous indiquer quelque chose. Ça. Oh. Non. Non, on aura peut-être besoin. On peut se téléporter de là ou pas? Ouais. Oui, mais on n'a pas le symbole. Regardez s'il n'y avait rien dans les fougères là. Ah, chauve-souris. Tiens, mange. C'est assez violent les trucs hein, qu'on les met par terre. Très bien. Je vois un pass. On est allé là? Oh putain. C'est bon ça. Je pense qu'ici on va se plaire, même si on n'y arrive pas et qu'on doive partir et tout ça. Honnêtement, je regrette pas là, parce que là c'est que vraiment des pierres pour la forge, et c'est ce qu'on a besoin. Et elles sont assez haut niveau. Donc ça vaut le coup dans tous les cas. J'entends des chants, c'est pas les chauves-souris là qui chantent. Tiens, on peut invoquer. Merde! Putain, qu'est-ce que j'ai à faire ça, moi? Si, c'est ça. Ah, oh, il y a un objet là-bas.
On y va. Par là. Fait chier. On ira après. Il y a des objets là aussi. Oh là là, on n'a pas fini. Comme elle esquive les coups, quoi. Non, mon Dieu, c'est moi qui me prends le coup, quoi. Ah bah ça y est, on a fini. On peut pas. Ouais, on peut pas. Oh, excuse-moi. Le cheval. J'essaie d'invoquer le cheval. Je vais voir. Ah, ça fait oui par là. Forge sombre 3. Très très bien. Très bien, monsieur. On continue. J'entends encore des chants. Ça doit être bourré de vampires. No. C'est celui à droite que j'essayais de taper, mais elle voulait pas le cibler. Oh, il y a un zombie juste devant. Non, c'est... Là, là. Un peu de feu. On a très chauffé. Mon Dieu, à chaque fois je fais la même merde, je sais pas ce qui m'arrive. Ah merde. Je peux pas invoquer. Évidemment, là il y en a pas mal là, évidemment. Consolatum.
Merde. De la magie. Putain de merde. Ah, j'ai loupé. J'ai loupé son attaque critique. C'est pas grave. Ça s'est quand même bien passé. Oh oh. Cendre de guerre perdu. C'est quoi ça? Ah, c'est pour dédoubler une cendre. Ça peut être pratique, surtout pour le côté celle où il n'y a rien. J'imagine. Parce que du coup, on pourrait le mettre genre sur un bouclier, comme ça on peut directement faire l'attaque. Et tout. On n'a pas besoin de prendre l'armade de main. Si jamais le bouclier il la parade, par exemple. Celle où il n'y a écrit aucune. Relou de le combattre, lui. Enfin, honnêtement, je pensais au... pas aux flèches, aux bombes, mais au final, les bombes, ça sert à rien. Faut lui tirer dans le... Enfin, faut lui taper dans le bec. Ça lui fait extrêmement mal. Bien joué. Oh mon Dieu, putain, mais... Épée courbée du dieu serpent. Ouh, c'est pas une épée qui fait du poison, ça? Elle existait déjà. Une grosse épée qui fait du poison, je crois. Ah non. Bon, elle fait pas de serpent. Fait pas de poison. Utilisé à l'origine pour les sacrifices, cette arme restaure les PV à chaque ennemi vaincu. Ouh, intéressant. Ah, c'est juste une épée. Ah non, c'est pas la grosse. Ouais, non, j'avais pas ça en tête. C'est pas mal. Une épée dieu serpent qui restaure des HP. Tu as l'origine pour des sacrifices, hein, restaure des PV à chaque ennemi. C'est... Ouais. J'imagine que pour la coop à la limite. Genre comme ça, ça évite de... Par contre, on a...
On a aussi des drops qu'on devait récupérer dans les piliers où c'est qu'on a combattu la vampire. J'ai pas vraiment regardé si on pouvait les atteindre. Pardon. Ouais, pour la coop peut-être. Genre on tue des ennemis, ça nous restaure des PV, on n'a pas besoin de se soigner, etc. etc. Ah ben voilà, ça doit être là, par là. En fait, on saute. Ouais, ça doit être ça. Oh, y a vache, putain, j'ai eu le vertige, quoi. Ça m'a donné le vertige. Vu que ça dure pas longtemps, ce truc. Ouais, bonne épée à une main. Plus les épées à une main, elles sont super simples à manier, honnêtement. Donc on pourrait même en prendre deux. Genre faire un truc sympathique, deux épées. Parce que bon, les dégâts, oui, c'est pas énorme énorme, mais là du coup, deux. On met genre une bonne attaque sur les deux, genre le, je sais pas, le truc qui buff en feu, ça pourrait être sympa. Il y a plein de trucs en fait qui pourraient être sympas. Ouais. Bon, bah, honnêtement, c'était vraiment cool ici. Bon, ça doit être un vampire géant. Allez, Lutel, on y va. Toi et moi. Oh mon dieu, c'est quoi ça? C'est un dragon? Makkar, le dragon du magma. Ah, oh, il fait du magma par terre. D'accord. Ah, il reste longtemps, sa merde. Faut lui couper la queue comme dans Dark Souls ou pas? Ce qui est bien, c'est qu'on a une... plus ou moins une bonne défense contre le feu. Ah non, il a pas l'air de cracher du feu, hein. Il fait que du magma en fait. Par contre, il a une grosse épée. Je viens de vous remarquer. Oh la pute. Il crache derrière lui. Hein. Oh la pute, j'ai son sa queue, elle passe à travers le sol. Quoi. Là, on peut lui taper la tête ou le corps. Pas mal, Lutel, pas mal. Ah, il a buffé sa truc en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Wow, c'est quoi cette attaque de débile là? Bon, on n'a pas le temps de se mettre devant. Hop là. La mécaille du dragon du magma. Et un cœur de dragon, yes! Quand on n'a pas le temps de se mettre sur le point faible et de faire le R1 là, on fait deux attaques chargées, c'est plus safe en fait. Parce que le temps de se déplacer et tout, même si on peut sauter, machin, je préfère faire ça.
Si on est devant, tant mieux. Si on est derrière, on fait attaque chargée. C'est pas grave. Ça fait autant de dégâts. Ça fait très. Ça fait du bien. Alors, fais voir un peu. Ah, c'est un truc qu'on n'utilisera pas, mais vous êtes stylé, non? Alors, espadon courbé, recouvert d'écailles solides, manié par les dragons du magma. Sa forme rappelle celle d'une mâchoire de dragon. La rumeur prétend que ces dragons étaient autrefois des héros humains qui s'adonnèrent à la communion draconique, une transgression grave qui leur valut d'être condamnés à errer face contre terre. Guillotine du magma. De voir un peu. Ah, il faut de la foi. Ouais, elle fait du feu. Ah, le même moveset que la nôtre en fait. Ah non. Là c'est l'attaque chargée en fait. Ah ça fait pas mal de d'attaques en fait. Une. 2, 3. Ouais, par contre, si on appuie trop de fois, elle le refait encore une fois en fait. Elle le refait directement, ouais. Faut pas trop appuyer. J'ai arrêté. Ouais, mais il faut de la foi. Et de la force aussi. Je sais pas, c'est pas trop mon. C'est pas trop mon délire, c'est pas trop mon kiff. Mais on a un cœur de dragon, c'est bien, on va pouvoir récupérer des pouvoirs là, de dragon. Pouvoir draconique. Pam. J'imagine que ça fait peut-être des dégâts de feu. Enfin, si on avait les stats, peut-être que ça créerait des éboulements de feu, enfin, des trucs de magma, fusion et tout ça. Quand on tape par terre, j'imagine. Plateau Altus. Bah, du coup, on a trouvé, on a vraiment bien trouvé. Fallait passer par ça. Intéressant. On a trouvé la direction pour l'invitation en fait. C'était pas vraiment voulu. C'est parfait en fait qu'on ait rencontré l'autre en même avant. Parce qu'imaginons qu'on n'a pas l'invite, du coup on fait quoi ici? On débloque les trucs et on se téléporte plus tard, quoi. Mais bon, là c'est bien, ça on fait tout dans l'ordre et tout pour une fois, c'est cool. Par contre, je voudrais bien la carte. Ça c'est un truc que je voudrais bien. Bon, si le dragon était un peu chaud. Fleur d'Altus. Ah, c'est nouveau en plus. J'imagine que là ça va être encore pire. Il y a des. C'est quoi? C'est des golems en fait qui sont au sol là, tout détruit. J'ai vu qu'il y a des gros trucs là qui se baladent. Ouais. Ah bah, ils ont pas trop de défense contre. Ah mais on a 33 000. On peut prendre un niveau. Bah, je sais pas si on devrait prendre un niveau ou pas. Peut-être garder pour c'est combien niveau 18? Ouais non on a assez. Ah oui on a dit qu'on voulait peut-être monter un peu la foi. Je sais pas. On va faire vigueur jusqu'à 30. Parce que je me dis on devrait peut-être pas trop monter de niveau pour garder des runes et après acheter des choses mais au final bof. Oh les FPS.
Ordre sacré. C'est un truc qu'on va pas pouvoir utiliser, ça fait chier. Ah, il nous faudrait une épée. Un truc qu'il faut qu'on teste absolument aussi, c'est si les buffs restent. Genre par exemple, on prend une épée en main, on fait le buff, et après on change. Parce que... Ah bah c'est juste là. Dans les Dark Souls, des fois, t'avais des trucs qui restaient, des buffs qui restaient. Mais il y avait aussi des buffs en fait qui disparaissaient. Si on l'enlevait de la main. Faire chier avec votre poison à la con. Tournesol doré. Alors, qu'est-ce que je vais regarder? J'ai oublié. Merde, qu'est-ce que je vais regarder? Oui, ce qu'on a récupéré. C'était un truc d'épée, sacré, machin sacré, alors... Ouais, ordre sacré, sacré. C'est vrai qu'il y a écrit flamme ardente, feu, sang, occulte, aucune, ok. Alors, l'ordre sacré, compétence chevalier, fondamentaliste de l'ordre d'or. Vous saluez et imprégnez votre arme d'un pouvoir sacré, très efficace contre les non-morts. Utilisable sur toutes les armes de corps à corps. Ah ouais, non, il faut... D'accord. Il faudrait trouver une bonne épée. Attends, on a un truc dans, en bas. Je veux d'abord faire la ruine. Ruine des parfumeurs. Ah, c'est encore du feu. Oh, t'as une bulle, protection, toi. Et j'ai pris mon bouclier à deux mains, c'est pas grave. T'as vu, on peut se battre au bouclier, hein, ça marche, hein. Tout ce qu'il y a. Oh mon dieu. Oh la vache, les dégâts. Ah merde, c'est ça. Tueur de réprouvé. On a eu deux parties. Non, trois parties. On va lire ça après. Si j'ai le buff de l'élixir, je voudrais en profiter. Flacon de parfum. Eh ben, tout ce qu'on a. Saignement, il...
Très bien. Ça en fait des objets rares ici, c'est pas mal, hein. Là ça sent vraiment le... la zone au niveau quand même, hein. Je veux pas dire, mais... sûrement un truc avec les parfums du coup. Encore une plante. Oh, faut des pierres. Ça va, on en a deux. Parfait. Catacombe des aberrations. Oula. Oula, oula. Alors, fais voir ce qu'on avait plein de trucs à regarder. On a déjà les armures là. Ah, c'est les mêmes comme ça. Écarlate. Robe de ça. Tueur de réprouvé. Porté par les tueurs de réprouvé, les bouchers, l'esprit dérangé. L'épée établie, un hommage d'un rouleau. Père spirituel des tueurs de réprouvé et parfumeur d'antan. Fais voir un peu. Ah ouais, la cape elle est grande, hein. C'est marrant, on pourrait avoir un set comme ça. Après, j'imagine qu'on peut changer la cape. Ah non. Ah non, celle-là, non, on peut pas. Et on n'a pas le casque, par contre. C'est marrant. Pourrait être comme ça. C'est une grande cape, hein, quand même. Très grande cape. Mais bon, notre défense, elle... notre défense, elle drop quand même pas mal. Quoique, enfin, je vais être honnête, c'est pas si pourri que ça, en fait. Hein. Genre, on est à 11. Là, on est à 8. C'est... ça va. C'est pas du tissu, quoi. C'est du moyen. C'était pas ça. Après, on a rien d'autre. Ah oui, je voulais voir... la bénédiction, je sais pas quoi. Ouais, du coup on pourrait taper sacré. Je vais voir la dague. Ça c'est le bouclier. Waouh. Ça disparaît ou pas? Ouais, ça disparaît. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est un gros buff qui coûte cher quand même.
C'est intéressant. Faudrait mettre ça sur une épée. Genre, je dirais une épée. Une épée longue. Après, on peut mettre ça aussi sur les claymores et tout. Ouais, on peut. Une rapière, ça pourrait être pas mal. Rapière des nobles. C'est laquelle la grande? C'est celle-là la grande? Je me rappelle plus. Historique. Le dieu serpent. On peut mettre ça sur le dieu serpent aussi. Du coup, on pourrait la buffer, on pourrait taper avec. Épée courbée du dieu serpent. Ça, c'est quoi ça? Parade? Ah, tu peux mettre parade. Attends. Parade sur. Ah oui, d'accord, oui, la parade à l'épée, ouais, d'accord, c'est ça. Bien. Je serais pas contre d'augmenter une épée pour avoir un truc un peu plus rapide et un peu plus intéressant à jouer. Enfin, pas intéressant, mais... Autre. Enfin, il y a tellement de trucs bien, c'est trop... tellement chiant, quoi. Non, il y a trop de trucs bien en fait dans le jeu. Qu'on fasse notre roleplay de guerrier, de paladin là. C'est quoi ces abominations en fait du coup? Ah ouais, d'accord. Ouais, gros truc. Ouh la vache. Ok, j'arrive pas à lui passer dans le dos. Enfin, son dos il est tellement bizarre. Ah, c'est un... ah, des vieux crocs, ça drop des vieux crocs. Ça, c'est pas mal, ça, c'est rare. Oh, Mogu Mortifère 5. Je crois que c'est peut-être ce qu'on a besoin pour monter notre copine. Ah, par contre, c'est la réutilité. C'est le. Oh, adieu. C'est le même donjon, je crois, qu'on a déjà vu. Du coup, la suite c'est en bas. Après. Ouais, c'est le même donjon. Ah.
Oh mon Dieu. En bas. Mug est 4. Alors, c'est pas exactement le même donjon, en fait. Oh mon Dieu, l'endurance que ça m'enlève. Ok. Oh, le boss, il est là. Putain. Ah ouais, la porte du boss, elle est loin. Elle est loin, loin, loin. Bon, bah on y va. Cendre de chimère ailée. Ah! On va pouvoir en invoquer une. Cet esprit doté d'ailes s'envole pour décocher des flèches. L'existence de ces créatures considérées comme un châtiment pour rapprocher le creux du creuset. J'ai l'impression qu'on est dans une crypte à la recherche de vampires et tout et qu'on les tue pendant qu'ils dorment. Ah, tu... c'est pas exact. Ouais, non, c'est pas la même. Pardon. Sorry. Ah non, ça a changé, c'est Apologies maintenant. Apologies. Bon, du coup, on va faire le boss maintenant, je crois. Tant qu'on a... Tant que tout le monde est mort. Attends, merde, comment on monte? On va en profiter vu que tout le monde est mort. Ah, on a assez de matos. J'imagine qu'on va peut-être tuer le... lui là-bas. Ouais, très bien. Non,
Par contre, j'ai pas trop de vie, on va se soigner. Prends l'aggro. Prends l'aggro. Merci. La parfumeuse Tricia. Prends l'aggro. J'aime bien que je gueule ça, comme si je jouais avec quelqu'un et tout, c'est énorme. C'est plutôt fun. Ah bah oui, il joue à deux, moi aussi. Hein. Attends, non mais... Ah, c'était pas mal. C'était pas mal. Ah, c'est une légendaire aussi. Alors, les résistantes dans laquelle demeure encore une âme qui s'est vue. Ah, quoique, en fait, ça le dit pas. Là, ça dit cendre légendaire. Là, non. Alors, autrefois, une guérisseuse réputée, Tricia, se dévouait aux soins des chimères, réprouvées et autres malheureux considérés impurs lorsque ses efforts se révélaient. J'ai vraiment pas mis les points où il fallait. Impuissant, elle demeurait à leur côté jusqu'à la fin, veillant ce qu'ils s'éteignent en paix, affranchis de toute souffrance. Cette histoire n'est pas sans rappeler l'urgence de la campagne mortuaire. Donc du coup, elle fait quoi? Elle fait du feu, parce que c'est celle qu'on vient de combattre, donc elle fait du feu, peut-être qu'elle soigne. Est-ce qu'on peut l'invoquer en haut? Je me rappelle plus. Non, on peut pas invoquer en haut. Où est-ce qu'on peut invoquer? Là peut-être? Je sais pas, c'est une grande zone, il y a peut-être... Non. C'est bête, j'aurais bien voulu voir. On testera une prochaine fois. Ouais, on testera une prochaine fois, voir ce qu'elle fait. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont classé à côté de Lutel. 50. Non, 78. 78, c'est beaucoup! On va retourner à la table. 78, c'est... C'est beaucoup quand même de PC pour invoquer un truc qui fait rien. Donc bon, ça m'étonnerait quand même. Je suis sûr qu'elle doit faire des trucs de feu, des trucs de soins peut-être. Vu la description. Et aussi on a 13 arcs. J'ai envie de me buffer, j'ai envie de les utiliser, d'en utiliser un. Parce que là on est plus ou moins en donjon. Oh! What? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself. Feared and despised by all. The reviled blessing. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to defilement. Ignorant of your own ignorance. You no longer interest me. I've been long without peace. Don't spoil my quietude. I asked you not to disturb me. Be thankful of the whole serenity. It is all that keeps your death and defilement at bay. Qu'est-ce que c'est que ça? I asked you not to be thankful of the whole... It is all that keeps... Je
Genre, c'est lui qui a tué tout le monde. Mais il est pas censé pouvoir, c'est un lieu de non-combat. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a toujours pas trouvé ça. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, après là, on en a 5 aussi. J'étais en train de me dire, je suis sûr qu'on les a pas prises celles-là. Bah, j'ai raison. Après, je suis en train de me demander si cette armure, ça vaudrait pas le coup. Pour poids de 10, on a 12 de physique, par exemple. Poids de 10, on a 12 de physique. Non, c'est mieux ça. Épée longue. D'abord, on va aller voir. Tout le monde s'en fout du mec malade là-bas, là ? Ok. Tout le monde s'en branle. Ok, ça marche. Vous avez un fou qui est à côté de. Qui baigne dans les cadavres ? Tout le monde s'en fout. Greetings, are you here for spirit? Ah, c'est Fantomatique 6 qu'il nous faut, merde. Ouais, ce qui est logique, ouais. Non, elle est pas l'autre. Ah non, si. C'est du Fantomatique. Pourquoi il y a deux... Ah, attends, il y en a un avec du mortifère et l'autre, c'est du fantomatique, d'accord. Et elle, c'est aussi fantomatique. Donc j'imagine qu'elle est puissante, mais bon, ça dit pas cendre légendaire. Alors peut-être que... Comment dire? C'est juste elle qui dit cendre légendaire? Je sais pas. J'en sais rien, en fait. Ouais. Donc on pourrait augmenter un des trucs. Ouais, mais ça sert à rien, de toute façon. C'est honnêtement, comme j'ai dit, si on pouvait en avoir plusieurs à la fois, je dis pas non, là on augmenterait un deuxième, je sais pas, on mettrait genre les soldats de Godric, par exemple. Godric avec notre copine Tank. Mais oui, vu qu'on peut pas en avoir deux à la fois, ça sert à rien. Parce qu'elle est, elle est utile partout, elle. Je vois pas en fait ce qui peut être... genre plus utile qu'un tank qui fait des dégâts et qui encaisse des coups. Genre à moins que l'autre ça soit un super mage et qu'on ait besoin de dégâts de magique, là oui, là je dis pas non. Peut-être que, ouais, peut-être on peut l'utiliser pour ça. Frapper le monstre qui était cristallisé là et qu'il prenait quasiment rien aux dégâts physiques, à la limite là ça peut être intéressant si l'autre elle fait des gros dégâts magiques au lieu d'avoir le tank. Ouais, ça peut. I need to warn you about something. A little while ago, someone started lurking in the wing on the opposite side of the round table. And I can hear, from all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine. How much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Mm-hmm. I can hear it from across the howling and way. Okay, you should keep your intéressant. Distance. Well, I took you for no matter its layout, you're up. Ouais, c'est des 6 qu'il nous faut. On n'a pas les 6. Je me demande si augmenter les boucliers comme avant, ça augmente vraiment la garde. Parce que moi je dis oui, mais bon, s'il faut, non. Ça m'étonnerait quand même. Après, j'ai envie de dire... go, on augmente l'arc.
Là, on a plus d'argent. Je suis sûr qu'on peut aller peut-être au niveau 10. Oh, ça va à plus de 10, d'accord. Ça doit être 15 alors le maximum, j'imagine. Je pense que ça doit être 15 pour les normaux et 10 pour les spéciaux, comme avant. Enfin, comme les certains Dark Souls. Enfin, après, il y a des fois, il y en a qui changent. Ah, mais on est déjà à plus 11. J'ai cru que j'étais arrêté à 10. Pff, quel con. Quel con. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on va arrêter. J'ai l'impression que c'est du gâchis ce que je viens de faire. J'ai l'impression que c'est du gros gâchis de pierre ce que je viens de faire. Je peux revenir en arrière. Ça m'embête. Ouais. Je voulais tester, mais bon, maintenant c'est... I am pleased. Would you like? Then good day to you. Ça m'embête. Ah oui, on peut toujours faire ça. Non, on s'en fout. Bon, on va essayer d'oublier le fait qu'on a balancé autant de pierres. I've decided to leave the round table hold after all. As I mentioned, I'm off in search of the noble gold mask. We may not meet again for some time. If there's any incantations you wish to learn, now's the moment. Le mec, tu te fous de ma gueule, t'es sérieux là? Genre tu vas partir, putain. Bah, attends, ça va vite, ça allait plus vite. En allant là. Putain! Qu'est-ce qui te prend à partir, mec? Back already. No matter. C'est combien ça, 20 000? On pourrait vendre. Non, ça. On a combien? 23 000. Further study. I can happily. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Earth Tree. Very well. I'll take it off your hands. Ah, merci. Alors, on fait voir un peu les trucs que t'as... La ténèbre. Créer une zone de ténèbres qui dissimule l'utilisateur. Après, on a approche d'assassin. Rend vos déplacements silencieux et réduit le bruit et les dégâts de chute. Oh yes! On peut avoir ça indéfiniment. Pour une onde de shot qui repousse les ennemis. Ah, renforcement magique. Résistance aux dégâts magiques. Dégâts de feu... Ça, ça, ça. Soin. Et il nous reste ça. Aïe, aïe, aïe. May the golden ord. On n'aura jamais assez pour ça. Further study of I can happily spare the time. Ah, maman, on est dans la merde. On n'aura jamais assez, on n'aura jamais 5500. Fais chier.
Ah, tu nous as foutu dans la merde, machin. Alors, soins d'urgence. Après, on a soins. Mais ça, c'est 32. Alors, soins d'urgence. Après, on a... Divin ardent magique. Et on peut faire approche d'assassin. C'est pas mal ça. Soin du poison, renfort magique, renfort feu. Et approche d'assassin. Ça nous permet de pas utiliser les objets. Enfin, après, est-ce que c'est vraiment utile de pas utiliser les objets? Les objets, ils sont faciles à faire. Donc j'ai envie de dire... Hein? Ah, il est parti! Non, j'ai trop tard! Il est parti! Aïe, aïe, aïe. Ah, ça c'est con. Et là, il n'y a rien d'autre à faire. Là, on peut pas... On peut combattre, là. L'autre, il va pas nous envahir. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des... Des salles. J'étais jamais allé, là. Patard unique. C'est une arme... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Alors, l'une des armes provenant des deux doigts, Salam, est composée d'une suite de symboles informes, empêchant tout bouclier de parer ses coups, inflige des dégâts sacrés. L'inscription discrète semble comme suspendue dans les airs et écrit en langue lumineuse qu'utilisent les deux doigts. Lame imparable. Faut de l'intelligence. Ah non, faut de la foi, c'est 30. C'est marrant ça. Oh! Très bizarre, tu peux te protéger avec et tout. Tranchant perçant. Vous imprégnez la lame de lumière pour vous élancer à porter une seconde attaque perçante. Cette composante est imparable. Ça pèse rien. C'est intéressant ça. Bon allez. Nous on était ouf. On était là. Je crois qu'on était là. Je m'en rappelle plus. Yes. On était là. On va s'arrêter là. On a continué un peu plus tard. Comme ça, c'est cool, on a des défenses. On a magique, ardent, divin. Du soin et du poison, c'est bien. Mais ouais, vu que les cotons, on peut en faire plein, ça va, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a 16... Arc runique. Allez, c'est parti. C'est parti. On va se mettre en Super Saiyan.
Combien on perd de vie sinon? Je sais pas ce qu'on peut mettre. Ça c'est bien pour les, du coup, les défenses magiques. On est à 24, 27, 21, 24, c'est bien. Après ça c'est pour de la vie en plus. Mais est-ce qu'on n'a pas de défense physique? Ça c'est bête. J'aurais bien voulu qu'on ait défense physique. Ça aurait pu être intéressant. Après on peut faire ça, mais c'est relou. On prend des dégâts en plus, donc c'est pas vraiment intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Contre-attaque, d'enchaînement, attaque chargée, contre-axe d'armes des stocks, sauter. Dégâts subis, tir à la tête, sacré, mais réduit la résistance aux dégâts, non. Les cris et souffles, on n'utilise pas. Coup critique, restaure les PV, mais ça on le fait pas souvent. Non, on va rester comme ça. Avec des HP en plus. Voilà, là on est en mode Super Saiyan. En gros, là c'est notre super mode. On a plus de tout. Ouais, moi j'appelle ça que... Là on est en super mode. Là on est en super mode. J'adore cette animation. De bouclier, c'est vraiment classe. Genre quelqu'un nous fait une grosse magie, même en PVP, hein, ça peut être pas mal. Hein, nous fait une très grosse magie, genre au lieu d'esquiver, parce qu'avec, vous savez, le lag et tout ça en PVP, des fois c'est faut anticiper et tout. Et les gens sont très bons à anticiper. Donc pas besoin de faire de roulade, le mec vous tire dessus, vous faites ça, ça vous passe à travers. Hop, tranquille. Ça peut être vraiment, vraiment sympa. Oh, j'ai vu un truc maintenant qu'on peut utiliser... Ah ah! Alors, attends. Ah ah! Alors, du coup, il faudrait changer ça. Et oui, maintenant on peut faire ça. Nous on va utiliser celui-là parce qu'il y a tant fois C 119. Faut voir combien de on soigne en fait. Là il y a bonus d'incantation 113, là il y a 119, donc je sais pas. Mais bon, lui c'est D et D et là c'est E et C. J'imagine que la fois c'est mieux. Enfin ça. Bref. Oh! Pas mal. Du coup, ça dit quoi exactement? Ça marche que pour les non-morts, c'est ça? Genre pour nous, contre nous. Usé par les chasseurs de non-morts. Imprégner l'arme de main droite à sacré est particulièrement efficace contre les non-morts, car ceux qui périssent de cette incantation ne peuvent ressusciter. On a ça aussi. Ah, là, on peut commencer à faire du truc sympa. C'est vrai que j'avais pas pris le temps de tout regarder. Je vais voir ce qu'on a aussi. On a ça. Le reste, non. Putain, le buff il reste sur l'arme même si on s'arrête, ça tue. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et on peut faire les deux ou pas? Intéressant. Ah,
Là, ça devient intéressant. Ouais, par contre, ça dure pas longtemps. Hein. J'aime bien ce qu'elle se tape sur le torse en fait, c'est stylé. Ouais, par contre le buff de l'épée dure beaucoup plus longtemps. Faut voir si vraiment c'est efficace en fait. Bon, de toute façon on peut garder les deux. Hein. C'est pas... On peut garder les deux. Après, en objet de soin contre le poison, on a quoi? Est-ce qu'on a besoin de mettre du poison? Soigne et dissipe le poison accumulé, je vais voir. C'est ça. Ça devient marrant. On peut garder ça. Ah non, il nous faudrait du soin. On peut garder ça. Et là, on met le magie. Ah, on peut même utiliser le rejet. Le rejet, ça fait une onde de choc. Vraiment pas mal en PVP, faire tomber et tout, faire tomber de précipice et tout ça. Ça peut être pas mal. Résistance magique. Augmente la puissance d'attaque physique et de feu. Imprègne l'arme de main droite de sacré. On pourrait faire ça, faudrait mettre l'arc ici. Ouais. Ça va être un peu plus simple en fait de passer à l'arc. Parce que c'est tout sur la touche R1 en fait du coup. Parce qu'avant il fallait genre mettre l'arc en main gauche, puis après il fallait le prendre à deux mains l'arc. Enfin c'est un peu plus compliqué. Non, ça peut être pas mal. Merde, qu'est-ce que je fais? Putain, j'ai changé de main, pardon. C'est celui-là. Ça aussi, le saut des doigts, là, faudrait peut-être l'augmenter, en plus 5 au moins. Comme ça, on soigne plus, ou alors on fait... Après, je pense pas que ça augmente plus, genre l'attaque, par exemple, de se buffer avec ça. Mais je pense qu'au moins, pour les soins, ça va être mieux. Défense magique aussi, pas mal. Là on aurait les deux en même temps ou pas? Je crois. Non, c'est cool. Ouais, en parlant de ça, c'est ce qu'on va faire. Désolé, on fait des tests, on fait des trucs. On va augmenter ça au niveau 5, un truc comme ça, au moins. Comme ça, comme ça, on pourra mieux soigner si jamais. Et je pense que je vais prendre 3 fioles de soins. Les incantations qui augmentent.
Et ça, faut voir un peu. Ah ouais, la garde augmente. 57. Mais il faut au moins que ce soit. Faut quand même déjà mettre quelques niveaux en fait dans ce bouclier pour que ça augmente. Il est où l'autre? On va voir s'il dit quelque chose de plus. Il est toujours là, ouais. I asked you not to disturb me. Okay. Bon bah je suis content. Va falloir qu'on s'habitue en fait à jouer un peu différemment là, mais ça devrait bien se passer. Faut juste faire attention quoi. Puis on a pas mal, on a 15 encore une, donc on peut à la limite s'amuser avec. Mais on a besoin de plus en plus de magie. Donc du coup, on va faire... De toute façon on n'a rien après. Ouais. Voilà, là on devient un peu plus paladin et tout ça. On peut se buffer et tout, faudra voir si c'est vraiment utilisé. Ah, parler à Mélina. The Erd Tree is close. Only a little further till the foot of the Erd Tree. And the accord is fulfilled. It takes me back. I was born at the foot of the Erd Tree, where mother gave me my purpose. Though now everything is lost to me. I have to ascertain for myself the reason for which I live, burned and bodiless. C'est triste, ton histoire. C'est très triste, ton histoire. On a déjà le tir puissant. Ah, on peut avoir un coup de bouclier avec le petit. Tu veux voir un peu? Ciao. Ah ouais. Intéressant ça, parce que normalement il y a les boucliers comme ça, ils font jamais ça. C'est ou du parade ou bah pas ça quoi. Je me demande si ça vaut le coup de le mettre en sacré. Non, ça. Ok, on est prêt. Ce sera tout pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Ciao, ciao.